Et nous attaquons maintenant en France les barres asymétriques avec Aurélie Trostcombe. Vous allez voir, ce n'est pas mal non plus. Ça ne vaut pas Corquina, encore que franchissement ici le catch-off. Transfert sur la barre inférieure. Et Michel, je vous laisse apprécier la suite. Et la suite, c'est la fin. Grand tour soleil. Changement de face, grand tour en lune et double avant. Eh bien, chez nous aussi, on peut dire qu'on en a de très bonnes aux barres asymétriques. Et vous allez voir qu'après Aurélie Trostcombe, la Stéphanoise, eh bien, nous aurons droit à Cécile Canqueteau, Ludivine Furnon, Elvire Teza et Laetitia Béguet et Isabelle Severino. Et vous aurez tout vu, ou presque, de ce qu'il y a de plus esthétique et de plus risqué dans cette discipline des barres asymétriques en France. Un plan superbe qui nous permet d'apprécier entre les barres le passage et puis surtout ce survol de la barre supérieure avec ce catch-off